Alors, j'ai le plaisir pour la première fois de venir donner un stage ou une journée de stage de tarot à Montréal, au Québec. En fait, ça va être un week-end parce qu'il y a une journée d'enseignement le samedi 19. Il y a la petite qui rigole. Journée d'enseignement le samedi 19. Et puis, on fera peut-être une expérience plus sensorielle pour ceux qui le désirent, optionnelle, le dimanche 20. Le stage, c'est une initiation à ce que nous avons appelé Alexandre Jodorowsky et moi la voie du tarot dans un livre éponyme. Pourquoi la voie du tarot? Ben, le tarot, c'est un jeu qui se joue encore à beaucoup d'endroits, mais pas sous cette forme-là. C'est un jeu initiatique en réalité. Et dans ces arcanes dits majeurs qui représentent le chemin de l'âme, le chemin de la joie, on voit d'abord un personnage qui se met en marche et qui va traverser 20 étapes pour arriver dans cette carte numéro 21 qui s'appelle le monde, qui a beaucoup de ressemblances aussi avec un cercle chamanique ou avec les représentations tibétaines des Dakini, c'est-à-dire une représentation totale de l'univers manifesté. Donc le tarot, c'est un outil qui nous vient du Moyen Âge, qui est vraiment la sagesse d'Occident, qui est un contrepoison à toutes les interprétations négatives et mortifères de la religion, de nos conceptions sur ce que c'est que le féminin et le masculin. Et qui tente de nous décrire en images et avec une numérologie très cohérente, qu'est-ce que ça peut être le chemin de chacun pour devenir véritablement soi-même, pour grandir. Et le jeu, ben, il consiste à mélanger ce chemin, à mélanger le mandala, puisque c'est un mandala en petits morceaux, et à lui poser une question, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important que j'apporte avec moi de mon être à Montréal, Québec? Et puis le tarot répond, et là il répond la force. La force, c'est une femme qui joue avec les mâchoires d'un lion. C'est le numéro 11 dans la numérologie du tarot, c'est-à-dire que c'est un nouveau commencement. C'est à la fois l'esprit du débutant, très cher aux enseignants du zen, et en même temps c'est la capacité, c'est un débutant qui a déjà parcouru une partie du chemin, et surtout c'est un être au féminin qui n'oublie pas son animalité. Donc je ne savais pas que c'était ça le programme, mais je vous convie aujourd'hui à cette journée d'enseignement, le samedi 19 septembre à Montréal, où je développerai et j'expliquerai de la façon la plus claire possible dans la matinée la structure du tarot pour qu'on puisse jouer à voir ce que c'est qu'une lecture l'après-midi. Et puis pour ceux qui ont envie de connaître les mystères de l'allié de la force, les mystères du lion, il y aura une petite surprise en plus le dimanche 20. Voilà, j'espère que vous vous joindrez à moi. C'est avec grand plaisir que je vais traverser l'océan pour venir à votre rencontre. À bientôt.